La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, messieurs, bienvenue à votre émission Congo Live. Oyo tozarane sengu ya ko présenter les binyongo lelo tozane sengu ya ko beta ba sije moi ebele na na moko ya bakambi ya lui de personnes. Nous allons essayer de parler à rencontre du président de la République Félix Tshisekedi na homologue na Rwanda Paul Kagame na États-Unis. Oyo ezala ki sous méditation ya le président français. Ba lobi nini, c'est quoi le retombé après avoir mais aussi nous allons parler à arrestation brutale ou bien arrestation récemment il y a général Siramuima le commandant opérationnel en Ituri vient d'être arrêté soupçon paraît-il il est parmi les gens Oyo bazolingabasa la coup d'état face à face à Mokonzi Mboka. Mais aussi nous allons parler à évolution et état de siège Oyo le premier ministre Sama Lukonde a été sur le terrain pour évoluer ndenge nini état de siège Salma en partie l'est de la République quels sont de retombées est-ce que va retomber ça positif ou bien négatif mais enfin nous allons parler du discours du chef de l'État par rapport à deux points. OSL Makina, c'est en 7e Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Il a parlé sur le point d'exploitation, il y a pétrole, il y a gaz, il y a République démocratique du Congo, mais aussi la situation, il y a Kombo, il y a Rwanda, où il a confirmé que le Rwanda est parmi les bateaux qui ont financé les rebelles M23 pour qu'ils attaquent parti Est, la République démocratique du Congo. Les élections en 2023, est-ce que vous allez respecter la délai constitutionnelle ou bien vous allez glisser ou bien que ça la ndenge to mesana na Congo ba système ba dialogue et tout consorci c'est plat tout aux ana moko ya ba lobeli ya lui de paix il s'agit bien de président Marcel Moema wazali communicant et communicateur plutôt ya lui de paix bienvenue président Marcel merci à remercier pour l'invitation tout justement président Marcel Torobet El Solo Oyo il concerne d'abord rencontre ya président Tshisekedi na Paul Kagame bino na niveau ya lui de paix après avoir que ça la discours déterminant Oyo ciblé qui direct Rwanda Oyo présente en Akike Rwanda Zali Moko ya bateau et bazoko soutenir ba rebelle M23 pour que RDC parti est na ngwe za toujours na insécurité après avoir un discours Rwanda Zali qui a coûté na homologue ni Rwanda sous la méditation il y a président français bino na niveau de paix bo yamba ki message Rwanda bien rencontre Rwanda ndengene merci beaucoup c'est une très belle question nous li de paix tout ngai pour la Moko ya communicateur pour communiquer pour aller de l'espérance de l'État. Ce que je peux vous dire, dans ma camp, Oyo, Italie, entre relations RDC et Rwanda, et Monsieur Emmanuel Macron, président français, c'était une distraction. Distraction. Emmanuel Macron a distrait, il soit congolais. Il a distrait le président de la République. Okay. Mais malheureusement, le président de la République, aïe, il contourne surtout il y a un problème Oyo. Il a dit beaucoup de choses concernant l'Est de la République. Okay. Ce sont les Occidentaux, les Français, Wana. Bangonde Bazali en premier pour soutenir Wana. Okay. Wana lui-même, à lui seul, Wana est de l'autre côté. C'est un petit pays. Même sur la carte du monde, Wana, à mon avis, même dit. Mais ce sont les Occidentaux Rwanda. Ne pas ça que Rwanda a joué puissance. À casse puissance pour aller pour agresser les grands Congo. Ok. Toi, c'est une distraction parce que tu te rappelles l'ancien président français Sarkozy. Ayaki a wana mboka na biso. A Lubaki. Qui est partager richesse dans l'abysso, l'espace est dans Rwanda. C'est inacceptable. Aucun Congolais qui peut supporter peut qu'on dit même le Rwanda. Et Félix Tshisekedi, Congolais de père et de mère, moi, je suis Tshisekedi, je suis un homme. Je suis valeur. Donc, tu qui attend que le monde partager la richesse dans Rwanda. Mais c'est Macron. Azako me bien sûr même logique okay. Parce que Marco la fois passé ça qui na qui gagne oui à tant M23 pour qu'un zongé là pour attaquer Bissau sous soutien à Rwanda à travers les Occidentaux non Paul Kagame ça qui déplacement vers France ok na début à état de siège ok donc développer pour état de siège Rwanda ok à ça qui déplacement on a reconnu que c'est Emmanuel Macron aïe de Saint-Félix Tshisekedi état de siège pour déranger Bango. Intérêt au Bango, Rwandais, Zouaka.
Mais l'intérêt occidental est un peu à travers l'agression au Rwanda, à la Tabiso, à la groupe rebelle, au Bakri Labiso, et comment qui dérangeait. Emmanuel Macron, à bon matin, il avait parlé ça au chef de l'État. Le chef de l'État, ça a été très catégorique. C'est pour cela que mon zone ici, rébellion M23. Donc, il n'y a rien, négociation Emmanuel Macron, rien de la distraction. Mais ceux qui ont tali bien photo, quand il y a une photo d'ensemble sur le plan communicationnel, les gens qui ont à l'obélaram, quand ils ont dit ça, la canalise, il y a la communication ou bien il y a la sortie médiatique, nous sommes en Mboka. Sur les photos entre le président français, le président Kagame, Félix Antoine Tshisekedi, au moins, nous avons communiqué, nous avons fait une rencontre, nous avons fait une rencontre, nous avons fait une photo ou photo. Photo et salami, et salami qui nous avons fait une rencontre aux États-Unis d'Amérique après méditation. Mais le président Félix Tshisekedi, depuis à côté de Mokozi, il est à côté de l'humanisme. Ok. Il y a des panafricanistes. Okay. Un panafricaniste, il y a des gens Afrique comme un village. Afrique est de pour nous, nous sommes africains, nous vivons ensemble. Mais et le but est que nous allons lâcher. Okay. Il avait dit ça dans le Congo, vous avez vu. Le début, il y a des attaques au Rwanda. Pour le cadre de la canisse, il y a des félicités, c'est qu'il dit. En souriant, donc, comme un bon messie. Donc, bah, vous manipulez tout, vous matez facilement. Félix Tshisekedi est toujours très généreux, ça va toujours normal. Et surtout, il a pris le courage de citer Kombo Rwanda devant ce père. Mais oui, parce que ça n'a pas responsabilité. Et tant qu'un Congolais de père et de mère, j'insiste. Parce que l'agression, Rwanda, bani aux autres agressifs, et bani de l'autre. Depuis 1997-98. Ok. Hein? Mais. Et ça, le président Mokoto Congolais, même le roi Désiré Kabila, a prononcé que Rwanda n'est pas agressif sur la tribune des Nations Unies. Donc, c'est un discours historique. Oh, bah, Congolais, surtout, n'a pas de problème. A quoi, bah, que non, c'est Rwanda qui est agressif à Kabiso. C'est comme si nous sommes dans un pays arabe. Un arabe, bah, c'est toujours ma belle américaine. Donc, même à ce moment-là, c'est ça qui est dans sa vie. Il a cité le Rwanda au Congolais, surtout à Yéba. Que si aujourd'hui nous sommes agressés, ce qui est le nom de l'économie, nos populations de l'Est, maman, papa, ma condition dans l'Est est comme très difficile, c'est le Rwanda. À travers les Occidentaux. Les Occidentaux, on a tous les grandes puissances du grand du monde. C'est pour que c'est le monde. Le président de la République, à l'Obagi, tout le monde dans les Nations Unies, à l'Yébessé, tous les grands pays, on a l'embargo. Parce que l'embargo, c'est comme, deux ans, c'est comme si, non, aux Abunda, mais aux Amoya, aux Abunda, c'est ça. Bakani, RDC, ma boque, RDC, à quoi, quand on s'est défendu. Un petit pays comme le Rwanda, c'est bon nom de Paul Kagame, Azakusanganabiso. Tout justement, surtout on continue toujours au Bétali Solo, il y a 77e Assemblée Générale annuelle des Nations Unies. Le président africain, il n'y a aucun président africain ou Bétaki, Masolo, il y a Est, à l'occurrence du président Macky Sall, il y a président de l'Union africaine. À tirer autant à tête que Rwanda ou bien Est, République démocratique du Congo, est une insécurité. Il a préféré mettre autant à Zambie, ceci, cela. Mais vous ne voyez pas que le bateau présent, c'est que la paix, ça va confiance, va perdre une Africain. Bon, moi, quand même, on continue de trahir. C'est le complot international. Tous ces pays, Rwanda, Bazakou Banga, Moutoukou Macky Sall, président Macky Sall, président de l'Union africaine. Quelqu'un qui était censé autant à Marambo Afrique Union, il y a privilégié le Sénégal, c'est un pays où ils ont soutenu à 90% par la France. OK. Donc Macky Sall à la contre à logique française. OK. Malgré que nous avons l'Union africaine, l'Union africaine, c'est une organisation qui est soutenue à 90% par les Occidentaux. Dans le système de l'Union africaine, est-ce que l'Union africaine va pouvoir terminer la devant position de l'Union européenne, position de la grande pays en présence au monde? Non! Nous, l'RDC, le président Félix Tshisekedi, a joué ma responsabilité de amener le président de la République démocratique. Il avait promis, dès qu'il y a un pouvoir,
à cause de ça, tous les moyens pour affiner Guy à Est. Et il avait dit encore ça dans le discours du Conseil de sécurité. Bissot va commencer à s'engager jusqu'à la sacrifice suprême. Porte peu ce qui vient de Bokana Bissot. Donc nous sommes seuls contre tous. Okay. Et on doit se battre. Nous sommes seuls contre tous, on doit se battre, mais on ne comprend pas que Mokonzambok, malgré les efforts pour Kimi Kota dans la partie est de la République, mais en même temps, Mokonzambok a toujours combattu dans ma propre frère Naï. À l'occurrence, je ne sais pas, vous êtes informé, bah, généraux, au Bazoro complété toujours un coup d'État en faveur de la présidente de la République. Mais nous, Bazoro, j'ai jamais dit. Est-ce que Congolais a quoi aider Congolais à Mokonzambok? Mais chaque fois dans le Brango, le pays n'aime pas aller sous complot. Sur les plans internationaux et sur les plans internes. Ok. Moka Ozala infiltré depuis l'entrée de la fidèle. Tous les titres, toutes les institutions, donc, ma service, union surtout à l'État congolais, est infiltré. Ok. Ma Rwanda m'a infiltré tout ça depuis des années, pour que nous le. Ma Genoué, République démocratique du Congo. Tu es bien, moi. Et chef d'État, ça, vous travaillez sur ça. Depuis que tu as au pouvoir, chef de l'État, fais ça, toi, tu sais que tu es le mot. Est en train de travailler pour la Colombola. C'est tous les brebis au MAB, na Katiyara, il y a une institution congolaise. Ce général-là, à ça, il est mon côté. Dernièrement, ah, vous avez vu que non, arrestation, il y a le général Yav, avec une affaire à 70 hommes. Oh, que non, il y a un préparé. Coup d'État. Oh, le Bazaki a complicité. Tu t'imagines que nous avons un oh, général, bah, comment un milliardaire, bah, comment un millionnaire, bah, comment un riche. Bah, tous ces généraux, on a, bah, où tu as toujours dans les passes est. Là où il y a la guerre, mais bah, général, bah, comment un million. C'est quoi mais c'est la complicité. La complicité. Cette agression, au moins de l'agression, moi je suis agressé, c'est un complot international. Les soins, je ne sais pas, je ne sais pas. Je comprends, je suis pourri. Je suis à mes amis pour bébé. Il y a un moment où je suis en train de me faire crier un officier. Il y a beaucoup d'officiers qui sont bien formés depuis la Deuxième République. D'abord, serment d'hypocrite au Bapretaka. Au Bapretaka. C'est servir la nation, rien que la nation. Policier, donc militaire, il y a salarié. Il y a le terme échappé, rémunération, le terme échappé. Donc, par là, il y a un peu de non, d'abord, on a une couleur nationale. Défense, il y a Moka. Mais chef de l'État n'est pas contre le pouvoir. Il a doté le généraux, le Jeep 9. Il a doté le généraux, la condition. C'est pas la première fois. Ça, là, salaire est malade. C'est pas la première fois. On l'a vu avec Kabila. Kabila qui pèse le généraux, Jeep à plusieurs reprises, mais quand Est continue à toujours. Mais oui, mais sur la Jeep, Jeep peut changer. Tu avais parlé que non, ma condition, non. Ma général, on a ce qui va dire ça, ma bêtise, on a parce que ma condition. Mais Nathaniel, l'un des conditions, oh, mec, oh, tchaka. Ah, quelque chose, c'est que ma condition n'est pas insuffisante parce que Joseph Kabila l'a fait avec son époque. En plus, ma généraux, ma dupe fortuna, il y a Sika, dernière collection. Non, Joseph Kabila, si aujourd'hui notre pays, tout ça, dans ma condition, tout ça, dans la citation, ou une guerre, c'est Kabila. Oh. Mais je vous dis, c'est l'infidèle. Kabila, c'est lui, moi, n'est pas infidèle. Kabila, c'est une continuité. Continuité, encore, il y a Émirat. Son père, Laurent Désiré Kabila, à Sanakina, à Rwanda, à Ouganda. Qui était Laurent Désiré Kabila? Il y a eu le quotidien dans la Tanzanie. Rwanda, il y a eu une carte. Où je te dois vivre? Ils ont une carte, ils ont déjà planifié par les Occidentaux. Et ça, c'est un États-Unis d'Amérique. Donc, Kabila, il y a un qui me manque, que c'est la continuité. Donc, dans ma tambour, il y a Congo,
C'était comme ma cabine. Parce que malheur, il y a Congolais. Malheur, il y a population est. Malheur, il y a population est. C'est M. Kabila. Si on parle sur l'infiltration dans quatre armées, c'est Joseph Kabila. Il y a un brassage, un mixage. Parce que vous avez un Rwandais, ou un Rwandais, ou un Rwandais, ou un Congolais, ou un Messieurs dans le CPI, Bosso Tangana, ou un commissaire général dans le Moka. Il y a un Rwandais qui est dans le Congolais. À comment je le passe à non, à Sam, à Sam, à Sam, si on a dans ces pays. Bâti, vous voyez. Mouti, bâti, vous voyez. Kunda Batoa. Oyo. Rwandais de sang. Bah, il va commissaire congolais. C'est Kabila. Pas si il y a Congo, c'est Kabila. Eh, mais c'est Kabila. À quoi foutre quand même un jour. Justement, continuons toujours de parler de l'Est de la République. Oyo, ça va faire plus de 3 mois, quelques semaines. Bounanda n'est toujours sous contrôle M23. Le Premier ministre a quitté sur terrain pour nous relancer l'évolution état de siège. D'après la communication, le Premier ministre, l'évolution état de siège est satisfaisant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui évoluent sur état de siège satisfaisant, tandis que Bounanda n'est toujours sous contrôle M23. L'évolution est allée très bien. Très bien. L'évolution est allée très bien. Vous oubliez que Bounanga n'est déjà dans 3 mois, quelques semaines, n'est sous contrôle toujours. Tant que le chef d'État décrétait l'état de siège, Bounanga n'est sous contrôle et Bounanga n'est c'était plus beaucoup la partie Ituri. Agression, bah rebelle ougandais, bah terroriste ougandais, voilà. Mais aujourd'hui, dans la province de Ituri, vous avez constaté que nous, tuer tout ça, on va chuter. Et ça n'est pas fouillé à l'état de siège. Et ça n'est pas fouillé à l'état de siège. Même dans la partie Est, vous avez constaté que nous, tuer, maintenant, comme une guerre. Parce que les bossés, ils ont été guéris, ils ont été formés, ils ont été bien. Maintenant, c'est comme une guerre classique. Pourquoi il y a une guerre classique? On est sur un débit. Macron, c'est le bonhomme de Paul Kagame, c'est concerté qui, tant que tu as l'état de siège. Parce que l'état de siège, il y a un patin qui va mourir. Et à 60%, tu peux même maîtriser la situation. Okay. C'est pour cela qu'il y a une guerre classique. Il y a un embargo. Il y a Rwanda, il y a Bundeli, il y a Makassi. Rwanda est un petit pays qui a une richesse, il y a une sous-solité. Mais Rwanda a un Mindou qui est. Chef de l'État, ce sont les militaires rwandais qui ont une M23. M23, ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Mais, dernièrement, je ne sais pas si on a regardé un documentaire ou comment, un journaliste britannique, à ça qui moi, enquête, voilà. Investigation. Investigation concernant la guerre à l'Est. Paul Kagame, Bariki Takaba, gêne tout. Kuna dans le pays de l'Est, voilà. Ouganda. Tanzanie, pays, j'aime tout. À moins de 400 dollars. Non, à moins de 500 dollars. Parce qu'on va payer 3 mois anticipatifs pour que nous ayons recours à la guerre. Où il y a la Est de la République démocratique du Congo. Tout le monde, c'est toi là. 3 mois anticipatifs. 3 mois anticipatifs. Après, c'est 1500 dollars. Après, c'est eux. Kende Moussala. Malamour, où il y a la Est de la République. Formation accélérée. Après, c'est Mandoki. Deux semaines, un mois directement aux gens dans le front. Ce sont des Occidentaux. Mais d'après des investigations, Obispo de Sala, cité Bounanga n'est pas parmi un site stratégique ou bien commercial où il y a ça parti à l'Est de la République démocratique du Congo et Côte d'Ivoire. Par mois, cité Bounanga n'est au moins entre 500 et 700 000 dollars. Ce que M23 a circuit toujours cité Bounanga. Et ça a paralysé en quelque sorte l'économie. Oui! Et ça, c'est un peu le cité mon stratégique. Si au moins M23, il y a un cité Bounanga Nawana. Parce que pour avancer. Parce que, réclamation de la Guinée. C'est fait si c'est des amabés. Mais venez chercher fait ce que le pouvoir. Va progresser, non? Va commencer à Goma. Va commencer à Sangani. Va étudier ça. Pourquoi pas quand même Bounanga? Ça fait ce que plus ou moins 3 mois. Allez-y comprendre. Bah, comment les Seigneurs vont comprendre?
Mais ni t'étais cela, mais le loyo, tu mettais ma soeur sous. Complicité à tous les niveaux, jusqu'au sommet de l'État. Complicité. Mais mon cousin, moi, je tenais. Parce que Azali, don dédié. Ça va baisser pour la Congo. A baisser pour la Congo, c'est une mission précise. Aïe, vous bénissez ça. Comment la carte va me brûler, surtout au Congo, c'est l'amour. Donc, la déclaration du Premier ministre, il a été des évolutions, il a été satisfaisant. Tout en chassant que Bounagan est sous contrôle là, il y a M23, le Premier ministre a mis sa piste de solution il a continué à nakata est pour qu'il puisse récupérer Bounagan complètement. L'armée congolaise a aussi préparé pour la ressale offensive et récupérer Bounagan. Malgré Bounagan est allé sous contrôle à Rwanda, mais nous sommes à 7 km à Bounagan. Donc armée Zali quand même, armée Zali. C'est pour cela que non un Rwanda n'a pas occidentaux. Renforcer M23, passer par un rebondement sophistiqué. Le comité de secrétaire général et secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, M23 plus sophistiqué que ma. Voilà, chose étonnante. Style mondial, le COLA, ONI, incapable de rebondir ça. Un groupe rebelle, Mogobouy. Et ça sonne. Et ça sonne pour la Naïko, RBC va te déclarer que non. Nous prenons notre congé dans l'organisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça sonne, pendant que plus de 1 milliard de dollars au Ebimaka pour financer MONUSCO. Mais on est incapable, il y a que ce MONUSCO, il y a un monde sophistiqué, parce que la face de M23. Il est temps qu'on soit qu'aidé. Il est temps qu'il est bon. Nous sommes en ligne. Moi, je demande au peuple. Peuple, maintenant, tout ça pour opérer dans le moment où il y a un peu de peuple commence à soulever. C'est un départ à mon discours. Dans toute l'état de la République, il y a un peu de Congolais. Au moins, le début, attaque à M23. Mais comment il est mobilisé? Nous, on a dit, tenir un temps, il y a un chassa. Tenir un temps, il y a un monde entier. Congolais, c'est un peu de piscine, c'est un peu de tenir. Pas de ce que nous faisons la guerre. Tous ont cette attitude douane. Parce que mon histoire, ça s'est déclaré forfait à Kokate. Maintenant, c'est notre pays. Nous devons prendre ça à charge pour défendre le Mokana Bisso. Mon histoire, c'est qu'il y a des gens pour moi, mon histoire, c'est qu'il y a des gens qui sont congolais. La ressale est fort. La capacité de la ressale est fort. Pour mon histoire, si même le marché n'a pas encore, pour que mon histoire, c'est qu'il y a des remarchés. Général Kasson a voté les mille. Général, au marché de l'Institut de Sécurité, on a senti. Monsieur Kassomo, général, il y a peine à dire que mon cocotte, je vais mettre moi dans la parenthèse, qui s'est tourné la couronne. Au moment où Nicolas est couru et tourné, il va pratiquer un régime à Kabila. Et Kassomo, il y a un régime à Kabila. Je ne sais pas pourquoi vous mettez ça en mode. Mais quand il y a un régime à Kabila. Mais oui, moi, personnellement, je suis retour à Kanyama. Parce que le coup de Makassa qui tient ça. Et ça va pratiquer dans un régime passé pour déstabiliser Moka. Pour déstabiliser qui tient ça. Et ça, il y a toujours à la veille élection. Et ça, il y a des cartes politiques. Alors, ceux qui me séquent sont dans la mesure où ils maîtrisent le coup de la capitale. Le coup de la capitale, il y a une pleine journée. Il n'y a pas de ça, ça va. En quoi, en tête, c'est la police qui a vu le Kinshasa. Aux capitales. Parenthèse, il y a un peu prochainement, tu reçois le nom. Tout justement, il y a qu'on se plaint de répondre à Rwanda. Il a dit que par rapport à l'exploitation, il y a pétrole, il y a gaz, il y a un cannabis. Il nous faut des investisseurs sérieux pour qu'il y ait pressé un peu à exploiter le pétrole, le gaz, comme il faut. Du parti Wana, parce qu'il n'a pas seulement parlé de Rwanda, mais attaque à Rwanda, à l'objet de Maramba, pétrole, na gaz, Mboka. Au moment où ils appellent parmi l'action Oyo Mokonza Mboka, ils ont mené pour que le peuple congolais, côté social, se retrouve. Mais oui, justement, Mokonza Mboka, ils ont fait fort.
Nous sommes sous contrôle international. Chef de l'État fait ça, toi tu sais qu'il dit. Dès que ce qui est pouvoir, à ce qui tourne du monde, pour que tant le monde entier nous explique, nous investissons, nous expliquons dans ma pays, nous sommes surtout développés, nous sommes en train de visionner. Où est-ce que nous sommes en Congo, où est-ce que nous en Afrique, pays dans le monde. Mais pourquoi il fallait ça? Mais investissez, il y a un peu pour l'année. Parce que les aliments d'eau international. Mais si vous avez un collaborateur, vous ne pouvez pas empêcher d'investir. Mais si un collaborateur, vous ne pouvez pas empêcher de dénoncer. Le chef d'État, vous allez te regarder, vous allez te dire, moi je dénonce, n'arrive pas à poser la République. Il y a des conseillers qui ne font absolument rien. Mais je vous dis, moi je suis un peu plus de mal. Parce que vidéo mon anaraté. Vidéo mon anaraté. Mais bon dénoncier, ceux qui ont besoin de courage, c'est Bobenga Kabiso, tu peux dénoncer Bango. Il y a des conseillers qui ne peuvent pas faire rien. Non, bah, jouisseur. Jouisseur vraiment, on va y aller pour profiter derrière le chef de l'État. Bah, n'est-ce que mon cousin, il y a une mission précise, mission solennelle. Et pourquoi il fallait attendre, il fallait causer là pendant 4 ans pour que Konzamboka assigne la investisseur étranger baya dans l'assemblée générale annuelle à Nations Unies. Azelate, na émission va chef de l'État dès ça fait 4 ans, Na première année na kaka. Marcel, au début qu'il y a une partie est de la République, il y a un lac, il y a un lac, il y a un lac, il y a un panneau, il y a un lac, parce qu'il y a un débordement, il y a un gaz, et qu'il y a une population, il y a un cotoana, ça fait 4 ans que le président de la République. Mais justement, dans notre salle, Bissoumoko, nous n'avons pas les capacités, il y a un exploitant de Bissoumoko. Ok. Parce que ça demande. Mais la République démocratique du Congo est un pays à Mounene quand même. Mais oh non, mais ça demande de la technologie à Makassi. Tout comme nous avons un niveau en attente. Et ça, on va manger à Makassi. D'être nini. Oh, mais pas matériel, non? Pour nous, on va mettre gaz et on va Tout ça, la richesse, pourquoi pas investir dans la gâte? Un chef de l'État, le bien, maintenant, quand le chef d'État est le conseil de sécurité, il a une société possible américaine, tout le monde français, le monde occident, sans bango, tu respectes le pétrole à gaz. Parce que moi, nous rien pas allé. Tout à fait. Sans bango, tu respectes le pétrole à gaz. Et il y a un peu de temps clair que non, tout ça, RDC, ça a traité mon côté. C'est le pays international, on a empêché RDC d'exploiter personne dans le gaz. Parce que ceux qui ont besoin d'exploiter personne dans le gaz, ils sont sous protection. C'était une manière d'intimider ma père. Ah, mais c'est vraiment vérité. Parce que ceux qui ont besoin d'exploiter, ils ont besoin de pollution,
Oh, ils ont dérangé le système respiratoire. Respiratoire, biologique, ce qui est comment maintenant, mais tu sais, il y a un monde, 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 pourquoi pas nous 25 blocs pétroliers, nous allons tous exploiter un mot. La CPE, nous, le gouvernement, c'est la CPE déjà offre d'emploi. Pas offre. Tout juste pour parler de notre toute dernière thématique, élection 2023. Est-ce que l'élection 2023, ils allaient respecter la délai constitutionnel ou bien, comme il y a un dialogue dès qu'il y a 2023, tout comme en 2025 pour préparer et tout comme ça. Mais c'est que mon projet, c'est un dialogue. Tout à l'heure, les élections. Tout en rappelant que Martin Foy, il a été tourné américain. Mais tourné américain, on a accueilli au sein de la comme encore. Mini. Dialogue. Il y a un monsieur, enfin, dans la Katanga. Moïse Katoum. Monsieur Wana ou Jif Wana. Oh, Moïse Katoum. Un monsieur avec plusieurs nationalités. Quelqu'un à Congo, il y a comme un cousin, il y a une république du Congo. A Kamoun, il y a un cousin, il y a un cousin, il y a un Bololé, il y a un cousin, il y a un cousin du Congo. A son micro. Parce qu'il y a une négociation, consensus, voilà. Terme aujourd'hui, tu disais consensus avant l'élection. Élection. Mais c'est ni déjà assez. L'élection, c'est ni constitutionnelle. C'est ni déjà. C'est ni déjà. C'est ni déjà. Comment que le gros allié de gros allié, bah, Congolais, si tu te un référendum. Chaque 5 ans, il faut élection. Bureau politicien, pour nous renseigner avant que l'élection consensus. Consensus, c'est ni. Et comment même beaucoup ni que non, avant l'élection consensus. Avant, bah, tu as présenté, c'est ni consensus. Avant, bah, c'est une institution, il y a République, consensus. Ce sont des gens qui ont été en mort. Ils ont été en mort à cause de l'intérêt. Au moment où je suis en IEP, je suis en mort. Il faut que le chef de l'État attende la nous soit M. Franck Diongwa. Il faut que la CNPP. Au moment où je suis en mort, je suis en mort. Je suis en mort. Il y a un peu de déclaration épidermique à l'annonce. Mais lui, il dit qu'apparemment, le président Félix ne respecte pas l'idéologie à Tshisekedi du père. Quelle idéologie? Il y a ça parmi les bateaux, bazar, école et bâtiments. C'est un Tshisekedi. Il y a une perception. École Tshisekedi, c'est l'IDPS. Tshisekedi, la France, c'est l'idéologie à l'IDPS. Il y a un frère qui dit qu'on a mettre un défi. Il y a un attends. Récit, donc 4 n'aimons quoi IDPS. A tout le monde, IDPS, bah on va aller qu'on a dit ce qu'ils disent, mais la fenêtre, bisous de toi, bah tu sais, dis parce que bisous de toi, IDPS, dit ça. Il y a un mec qui a dit la fenêtre. Tant que vous faites ce qu'ils disent, tant que vous faites ce qu'ils disent, tout c'est le grand cas de IDPS. Parce qu'on va prendre ce qu'ils disent, hein? Par la grande porte. Il cherche le travail. Je vous dis, il cherche le travail. Et c'est déjà à craquer. À craquer parce que Azan a un moyen de terre. Et l'autre chose pour ma frère Guillaume, Azan a un moyen de terre. Moi, je félicite M. Guillaume Nongal. Au moins, calme M. Guillaume Nongal, Azan a un mot. C'est un homme d'État. Pas ma majeure, ma grande frère Guillaume. Azol Mbongo. Le monde n'est Kabila si Monsieur touche. A Sengaki a coûté Kabila. Kabila est indien à FCC. Qui nous coûte la remote chez Bala Némi. Sony. Yo finga Kabila, Moula la Moula. Au tête Kabila de tous les mots. Le au comico qui est verrier. Voilà, Monsieur Kabila. Je vais pousser calmement. Je vais dans notre thématique. Ben Gané est parti. Ben Gané est parti. Ben Gané est parti. Basispande. Encouragé. Basispande. Voilà, voilà, maman. Au moins, tu sais que disent, mais. Et partout dans le monde entier. Oh. Même à toi, où l'équipe de l'IDPST, mais esprit, on les allie. Je félicite Mandeko, on a combattu, on a. Oh yo, Ben Gané, Frank Dion. Ben Gané est parti. Revenons à notre thématique, s'il te plaît. Élection 2023, ils allaient respecter la délai constitutionnelle ou bien oui. Le secrétaire d'État américain qui a posé une question à Moussamboka, tout droit, à rassurer le monde international que l'élection est la délai constitutionnelle. Président Séné, Azako répétant Moumbala Oumbala, élection est la délai constitutionnelle. Et c'est né autour de recevoir ma titre électoral. Calendrier électoral, il y a un mot sur le terrain. Je demande à ma politicien,
va se préparer. Au lieu de ça, blabla, au lieu de mon prochain pouvoir, aïe! Va zonga, va mobiliser ma base, va travailler sur le terrain, va ya, kubundana, fils de Tshisekedi, en 2023. C'est une mission IDPS. Là, mon cousin, mon cas, tout ça, on s'est préparé vraiment convenablement. Kitoko et deuxième mandat, ils allaient assister parce que l'opposition, maintenant, on va jouer le volonté. Nous commençons comme on a souqué l'émission. Est-ce que IDPS en 2023 a une majorité parlementaire? IDPS en 2023, c'est possible toute une majorité parlementaire. Ce qui tout travaille bien. Parce que il y a ceux qui vont travailler bien, c'est qu'il y a en quelque sorte au niveau interne besoin là-bas, un problème. La famille Nyon surtout va commencer à rater. Mais ce qui est bien avec l'arrivée à la tête, il y a M. Augustin Kabouya, quand même Azako Bongi Saba, Kolunga Bazon, donc Bonnier surtout où il est parti. Parce que M. Kabouya a tiré une cacophonie, a tiré une sorte de belé. Mais M. Kabouya aussi, il est pas qui très têté, très têté Kabouya. Faiseur de l'homme. Mais, à ça, voilà ouais. Ma nomination au Bima. Au chef d'État, au niveau mandataire. Voilà, bana IDPS. Ce sont des combattants IDPS qui ont une histoire, qui ont une carrière politique dans la IDPS. Au Babimi. Au qui m'a gagné la IDPS. Au qui m'a tiré ma couille à couille. Au qui m'a tiré ma couille à couille. Au qui m'a bravo la version qui s'est cabouée. À côté, je suis allé dans la Mibengaka, sentinelle IDPS. La Kengelaka, la Talaka. Ce qui me marque, qui est bien, tu es bête à ma boko. Donc, pour ma nomination, M. Augustin Kabouya, il a bâti un travail vraiment, il y a ma lame. Bato Babimi, mon cousin a fait confiance, parti a fait confiance, Bango a tout dans ma boko, Bala qui sa capacité à ma boko, Bassa vive parti. Ok. Bassa vive parti. Il dépèse ceux qui ont travaillé bien dans les élections, tu crois que la majorité parlementaire, c'est possible. C'est possible, mais. Il y a une pêche aussi, l'Union sacrée. L'Union sacrée, ma pays, ma partie amie. Je suis basé dans l'Union sacrée. Tout travailler dans mon père ensemble pour que tu puisses rendre mon cousin majorité. Parce que notre intérêt, c'est que personne ne m'a fait si c'est une majorité pire. Oui, vous ne pas parler. Et non, tu as ça là-bas. Combine, les gars qui sont là, et vous allez mal à monter les livres. Maloba venu à Soukanaba combattant bien Milton Nyon sur l'île de Pesse pour la bien la sécurité. Maloba n'a pas su que les alliés n'ont pas mobilisé le peuple congolais. Parce que tout le monde a distrait à ton côté. Tout a agressé, tout a la guerre. Parce que Bundisabiso, dans le monde occidental, dans un petit pays comme le Rwanda, pour agresser Biso à cause de nos richesses. Donc, Congolais ont mobilisé. Congolais partout, les alliés ont mobilisé. Je demande aussi à mes généraux. Oh, ma généraux solo. Oh, ma life pack, c'est le cas. Ma route défendre rien que la nation. Il était un peu bas la qui s'est qu'il n'a pas ma défense est en boca. Ma boum de la boca. Le message n'a pas de la oh, ma zone à poser vos oies. Président Marcel, vous aurez la piste de 143, 89, 88, 54, 533. Bobenga. Tout partagera mes informations, tout seul là. Bon, on a marre de t'aller, mon cannabis. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tout ça, il y a Mbela Gibinon de commencer. Là, Zali, mon corps, il y a pas communiquant, il y a parti au pouvoir, l'UDPS. Mais quand on peut être assis, ils ont frayé l'actualité politique à la République démocratique du Congo. Donc, il faut que vous ayez un habitant, un volonté à Rolanda, toujours actualité en Boka, parce que nous avons qu'un seul nation. C'est la République démocratique du Congo. Sans la République démocratique du Congo, il sera au Kende, exacté. Peu importe nos divergences, on est tous Congolais. Qu'on se le dise. Au revoir.